Véronique Girardet, sans profession, club de Cestas du Bourdieu en Gironde, la Ligue Aquitaine, la discipline tirée, alors le ski olympique, depuis 1999. Championne du monde en 2005 avec le record du monde, vice-championne d'Europe en 2004, l'obtention de 2 quotas, 2 participations aux Jeux, donc Pékin et Londres. Pour l'instant, on a eu une période creuse. J'ai continué à tirer, mais sur encore juste un skit réglé un peu plus rapidement. Et on va travailler ça avec l'entraîneur prochainement. Je pense qu'au contraire, ça donne plus de chance. Ça va être plus agréable à tirer, plus agréable à regarder, je pense aussi. Pour les armes, j'ai eu un sponsor depuis une vingtaine d'années qui me suit, qui me fait un fusil à mes mesures, avec lequel je me sens bien, avec lequel je tire bien. La crosse, c'est très important. J'aime bien recevoir, donc quand je reçois mon fusil, avoir une crosse brute. Et ensuite, je vais voir mon crossier en Italie et il va me faire à ma mesure la crosse dont j'ai besoin. Et en ce qui concerne les cartouches, je fais un peu confiance à la fédération qui nous propose des cartouches qui vont très bien. Je me sens très très bien dans le tir, même si avec les années et l'âge qui avance, on peut pas peut-être penser à dans 4 ans. Moi, j'ai très envie de continuer et j'ai surtout très envie de faire une médaille cette année parce que ça me manque. Je sens que j'ai encore les capacités, j'ai vu que j'arrivais à retrouver mes repères, à avoir de plus en plus de confiance. Cette année, je vais m'accrocher pour une médaille puis on fera du coup par coup. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le tir proprement dit. Je fais une compétition, je l'ai terminée, je passe à une autre. Donc c'est vraiment une compétition et après les autres. Et je dois faire mes preuves et si je fais mes preuves, ben, il faudra aller chercher un quota, confirmer le quota et puis partir et puis ouais, pourquoi pas. Le tir m'a toujours beaucoup apporté puisque je le pratique depuis bientôt 30 ans. C'est des relations, des déplacements très agréables. Après, il y a un autre aspect qui, sur moi, ça va être canaliser l'énergie, ça va être me recentrer, un peu mieux me connaître. Et je trouve que c'est des choses déjà pas mal importantes.